vous franchissez la Méditerranée pour vous rendre en Afrique du Nord, il vous sera difficile d'échapper à une tradition des plus agréables, celle du thé à la menthe. Mais d'où vient-elle ? Car le thé n'est pas vraiment originaire d'Afrique. Il faut remonter seulement à la fin du XVIIIe siècle, car en ce temps-là, les Anglais, qui sont toujours liés au thé de près ou de loin, décident de commercialiser toujours plus leurs précieuses marchandises et la vendent dans tous les ports où ils le peuvent, y compris en Afrique du Nord et plus particulièrement dans des cités portuaires essentielles comme Tanger, qui garde l'accès de la Méditerranée. La précieuse feuille se répand un peu partout dans le monde, car elle est très à la mode dans les puissances coloniales. Or, qui dit mode, dit demande. Et qui dit demande, dit production, et qui dit plus de production, dit aussi baisse des prix. Le thé n'est plus une boisson de gentleman. Il devient accessible au peuple. Jusqu'alors, au Maghreb, on buvait plutôt de simples infusions à la menthe. L'arrivée du thé amène donc naturellement à la rencontre du thé et de la menthe. Le thé à la menthe était né, et sera même conseillé comme traitement et prévention contre le choléra, qui a frappé le pays de 1835 à 1865. Rapidement, il va conquérir non seulement le Maroc, mais aussi tous les pays voisins, au point que l'on peut le trouver partout et même jusqu'au fin fond du Sahara. Et attention, car le thé à la menthe n'est plus une simple boisson, c'est à la fois un rituel, une politesse et un élément social majeur. Sachez-le, le thé est toujours servi de très haut pour oxygéner la boisson au moment de tomber dans le verre, et sera servi trois fois pour trois niveaux d'infusion différents. La présence de la mousse est considérée comme un signe de la réussite de l'infusion. Et surtout, sachez-le, refuser le thé qu'on vous offre est impoli. Alors, pas d'impair. Thank you.